samedi 9 juillet 2022 est un jour symbolique où les jumeaux Zinsou et Tété Fadonoubo soufflent une bougie de plus. C'était en présence d'une foule composée d'amis, parents, collègues et cadres de la vallée de l'Ouémé, au bar Resto 7 sur 7 à Porto Novo. Cet événement est tellement riche en couleurs musicales. Ceux qui sont venus soutenir ces jumeaux apprécient l'organisation et leur souhaitent le meilleur. C'est une cérémonie très impeccable, très inestimable, bien organisée. Et il faut le dire, on ne peut que lui souhaiter le meilleur. Je ne peux que dire que je suis heureuse d'être invitée parce que c'est le directeur de communication de Fenn Club. Je ne peux que dire avec fierté que ça fait plaisir. On ne peut que lui souhaiter joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur. Et beaucoup de santé, que Dieu exauce ses prières. Jérôme n'est pas un ami, c'est un frère avec qui je flotte depuis un bon moment. Donc Dieu lui a fait grâce et c'est aujourd'hui qu'il fête son anniversaire, donc je suis venu le soutenir. Le soutenir pour le dire, pour rendre grâce à Dieu, d'accord, pour cette bougie de plus. Et prier l'Éternel Dieu quand même de le garder, de le fortifier et de le protéger pour nous parce que c'est une valeur pour la vallée. L'heure du jour, tellement débordée de joie, remercie sans exception tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci à tous ceux qui sont venus ici, sans exception. Même le plus petit, même celui qui a un an, celui qui a deux ans qui est venu aujourd'hui, je lui dis merci. Parce qu'il y a beaucoup qui pouvaient aussi venir, mais qui ne l'ont pas fait. Pour une raison ou une autre, vous voyez, donc... Je dis merci à tout le monde et je salue sincèrement et particulièrement ces aînés qui sont venus ici. Je n'oublie pas mes confrères de Royal TV, je n'oublie pas mes confrères de Daddy Productions. Je les salue infiniment. Et je dis merci à tous ces aînés qui sont venus ici, à tous ces cadres de la vallée de l'Ouémé qui sont venus m'assister. Smile.